Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage ma recette de pistache sauté accompagnée de plantain mûr. Le pistache, ce sont les graines de courge. Alors n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin, à liker. Je commence par tremper mon pistache écrasé. Ce que vous voyez là, c'est le pistache écrasé de 1400 francs CFA. Je trempe pour que ça gonfle et que ce soit plus pratique à utiliser au moment de mettre dans la sauce. Dans cette vidéo, nous allons également partager quel est le budget qu'il faut pour faire un repas comme celui-ci. Vous savez, malgré les temps difficiles, malgré l'inflation, nous devons pouvoir bien nous nourrir. Nous devons développer des astuces pour pouvoir nourrir les membres de notre famille avec ce que nous avons comme budget. Après avoir trempé le pistache, maintenant je vais venir nettoyer la viande. La viande, je ne l'ai pas fait couper directement au marché comme je le fais souvent. Là, c'est la viande de porc. Le kilo de viande à 3500 francs CFA. Tout à l'heure, je vous ai montré le pistache, deux boîtes à 1400 et j'ai écrasé à 50. On est à 1450 francs CFA. À la fin, on verra combien il faut pour se nourrir pour une famille de 4 pendant 2 jours. Sachez que je cuisine pour 2 jours. C'est plus économique pour moi, plus pratique et plus reposant. Pour une maman de 3 enfants et active, ce n'est pas évident d'être à la cuisine chaque jour. Cette viande de porc, je vais bien laver, bien nettoyer et fait cuire dans ma cocotte minute. La cocotte minute, elle est rapide, elle permet de gagner en temps quand on met la nourriture au feu. À l'intérieur, je fais cuire la viande, la peau de bœuf, le haricot, le maïs pour le konchaf quand c'est des petites quantités. Dans la viande, je vais mettre le sel et les oignons. C'est tout ce que je vais utiliser pour faire bouillir la viande de porc. Ces oignons-là que vous voyez, j'avais découpé. Je constatais que mes oignons devenaient déjà un peu trop mous. J'ai découpé et fermé bien, mettre au congélateur. Donc c'est ça que j'ai versé dans la marmite. J'ai versé dans la cocotte minute pour faire cuire cette viande de porc. Là, je mets au feu et je ferme bien. Attention à toutes celles qui utilisent les cocottes minutes. Il faut vous rassurer que c'est bien fermé et que la valve est bien positionnée car la cocotte minute peut créer un accident parce que c'est supposé être fermé hermétiquement. À côté dont j'ai posé le plantain mûr, cette marmite de plantain mûr là, les enfants avaient déjà pris au moins 6 doigts. Parce que les enfants, elles aiment le plantain mûr. Jusqu'à même bébé, je découpe, je mets dans sa main, elle suce, elle mange, ça finit. La viande de porc ne traîne pas beaucoup au feu comme la viande de bœuf. Je ne vous ai pas montré le plantain parce que c'est ma fille qui a épluché, c'est elle qui a mis dans la marmite, c'est elle qui a posé le feu pendant que j'étais en train de nettoyer la viande. Maintenant, je viens apprêter tout ce qu'il me faut pour faire mon sauté de pistache. Les oignons, les condiments verts et la tomate. Dans les condiments verts, j'ai mélangé persil, céleri, poireaux, poivron. Et aussi après, je vais écraser les épices et le piment. Donc voilà tout. On va se dire par exemple un mélange de tomate, persil, céleri, poireaux, poivron, oignons. On fixe ça à combien? On va mettre tout ça pour combien? Allons-y sur 350. 350 francs de condiments pour que notre sauté soit réussi. Là, c'est pour calculer le budget. Avec les temps-ci, il est important de calculer. On va noter que dans le sauté de pistache, il est important de bien mettre la tomate parce que ce n'est pas une sauce pistache avec le gombo, c'est une sauce sautée. Je ne sais pas si je vais dire comme ça. Après avoir terminé de tout apprêter, je vais aller mettre la marmite au feu et mettre l'huile. Puis je vais faire frire tout ce que j'ai découpé comme tomates et condiments. L'huile, il faut mettre quand même une certaine quantité parce que le sauté de pistache, il doit avoir un peu d'huile dessus. Donc voilà tout ce que j'ai apprêté. Jusqu'ici, nous n'avons pas budgétisé le plantain. C'était le plantain mûr de 2000 francs CFA. Les copines, j'espère que vous faites les calculs. Tout à l'heure, on va faire le total pour voir combien est-ce qu'il faut pour manger sur 2 jours. Et en plus, en mangeant, on ne fait pas des excès.
Je partage avec vous comme ça des astuces pour bien se nourrir sans toutefois trop dépenser. Ce n'est pas parce que les temps sont trop durs qu'on va manger seulement le tapioca. Il faut qu'on pense à nos apports en aliments. Il faut que l'organisme soit bien portant. Dans le retour de course que je vous ai partagé l'autre jour, je ne vous ai pas montré l'achat des fruits parce qu'il nous arrive en semaine, que ce soit mon mari ou moi, on passe devant les gars qui vendent les oranges, les mandarines, les pastèques et on achète. Donc généralement au frigo, on a des fruits. Là, après avoir fait frire tous mes condiments par étapes, comme vous avez vu, je viens mettre la viande de porc pour sécher dans l'huile. La viande de porc, c'est une viande qui est souvent trop molle. C'est souvent bien de la griller dans l'huile pour qu'elle sèche un peu, surtout quand on va la mettre dans une sauce comme celle-ci. Après ça, je viens verser mon bouillon. Là, c'est l'eau que j'ai utilisée pour faire bouillir la viande. J'ai ajouté un peu d'eau dans la cocotte minute pour bien racler les à côté. Voilà pourquoi vous constatez que cette eau-là est un peu beaucoup. Maintenant, je viens mettre le sel. Je n'utilise plus de cubes depuis combien d'années déjà? Bientôt 4 ans. Je cuisine uniquement avec le sel et je mets les épices. Dans cette sauce pistache, je vais mettre l'anis vert, le poivre blanc et le piment. Entre temps, j'ai découpé tout un tas de condiments verts et tomates, donc c'est suffisant pour donner du goût à la nourriture. On n'est pas obligé de remplir la nourriture de cubes pour que ce soit bon. Là, je vais écraser à la pierre poivre blanc, anis vert, piment. Je sais pas si j'avais ajouté l'ail. J'ai oublié. Alors, mes copines, pendant qu'on écrase ensemble, on fait les calculs. Plantain mûr de 2000, viande de porc de 3500, pistache de 1400, écrasé 50. Le mélange des condiments, on va évaluer ça à 350, même si c'est un peu plus parce que là, j'avais le poivre blanc à la maison. Dans les 350, on a mis piment, poivre blanc, oignon, condiments verts, tomates et tout. Je sais quand même que vaut mieux mettre ça à 500, hein, ou bien qu'on mette ça même à 450. Voilà, on met à 450, ça nous fait un total de 7500 francs. 7500 francs CFA pour un petit repas. Vous allez vous-même voir la quantité. Attention, ne vous écoulez pas. Là, je vous explique quelque chose. Pour réussir la sauce pistache, il faut, après avoir mis de l'eau dans la marmite, mettre un feu très très doux et venir mettre le pistache à l'intérieur sous forme de boule. Parce qu'il faut que ça boule lentement, que le pistache, les boules de pistache, que ça durcisse et puis on vient après saccager. La sauce pistache ne doit pas être liquide comme les sauces d'arachide. La sauce pistache, on doit pouvoir voir. Je vais expliquer ça comment. La bonne sauce pistache n'est pas liquide en fait. Ça doit avoir des petites boules. Des petites boules. Et pour réussir à avoir cette petite boule, il faut mettre le feu doux. Et c'est sur le feu doux que vous allez venir poser le pistache dans la marmite sous forme de petite boule. Et revenir après saccager cette petite boule là. Saccager pour que le pistache ait cette forme-ci. Quand le pistache est liquide, ça fait comme une pâte et c'est vraiment moche. Pour réussir son pistache, il faut faire tel que je vous montre là. C'est après avoir saccagé bien son pistache qu'on vient maintenant verser de l'eau. Et moi, j'ai mis le piment et les épices que j'ai écrasées dans de l'eau pour bien enlever le pistache qu'il y avait dans le bol là, afin que aucune goutte ne cherche son frère. Afin de tout récupérer, c'est à l'intérieur que j'ai mis de l'eau et venu verser dans la marmite. C'est à ce moment-ci qu'on met le feu, le plein feu,
pour bien faire cuire le pistache, parce qu'il est aussi important que son pistache soit bien cuit, sinon ça fait mal au ventre. Le pistache qui ne reste pas longtemps au feu pour bien cuire, c'est ça qui fait mal au ventre. Et aussi, il est important de mettre le poivre noir. De toutes les façons, poivre noir, poivre blanc, ça a aussi un effet thérapeutique dans le pistache, parce que ça aide à ne pas avoir mal au ventre, ça aide à ne pas avoir le ventre ballonné. Comme vous me connaissez déjà, je cuisine en nettoyant, j'évolue en nettoyant pour avoir la maison propre après avoir préparé, et je mange sereinement, esprit tranquille. Si je pars m'asseoir pour manger avec la maison en désordre, je ne serai pas à l'aise. Et si je finis de cuisiner sans ranger, je risque de servir tout le monde. Pendant que les gens mangent au salon, moi je suis à la cuisine pour ranger. Et je faisais ça avant, ma mère m'a dit ce n'est pas bien du tout. Voilà pourquoi j'évolue en nettoyant. Je finis tout au même moment. Au moment où je finis de cuisiner, ma cuisine aussi, elle est propre. Je peux aller m'asseoir à table avec tout le monde et manger sereinement. Donc les amis, laissez cuire le pistache pendant longtemps pour que ça ne fasse pas mal au ventre. Ce que je suis en train de faire là, c'est le plantain pour donner à bébé. Je découpe long comme ça, je lui donne, elle attrape dans sa main, vous voyez comment je fais là, et elle mange, elle suce, elle mange. Bébé maintenant mange tout ce que nous mangeons, voilà pourquoi je ne mets plus beaucoup de piment dans la nourriture. Je peux même faire mon piment, mettre au frigo et après j'ajoute dans ma part. Donc voilà à quoi ressemble notre sauté de pistache à la viande de porc accompagné du plantain vapeur. Oh, le gros français, les gros mots. Le plantain mûr bouilli. Donc on a mangé et voilà ce qui nous restait dans la marmite. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!